Voilà, donc merci à nos trois intervenants de nous avoir donné beaucoup d'informations, un peu techniques. Donc voilà, j'espère que malgré tout, vous avez pu suivre un peu ce qui était en jeu ici. Et j'ai l'impression que certaines des questions soulevées par nos trois premières revues panélistes ont résonné aussi par rapport à toutes ces... disons, ces réflexions qui sont véritablement en cours, hein, on le voit à différents niveaux, au niveau européen, au niveau des instances fédérales belges, par rapport à ces questions de pas tellement de financement, c'est peut-être une autre partie du problème, mais clairement d'évaluation, de reconnaissance des chercheurs et à travers eux, bien sûr, aussi des revues qui publient leurs travaux. On a une vingtaine de minutes maintenant pour enfin avoir de la place pour vous, cher public. On a donc, comme vous le savez, des micros qui vont circuler. Donc voilà, vous êtes libre de poser des questions, bien sûr, aux trois panélistes qui viennent de s'exprimer, donc sur des questions plutôt institutionnelles et de fonctionnement véritablement de cette évaluation scientifique. Mais sentez-vous libre aussi, bien sûr, de revenir vers Anne Peretz, Christian van der Motten ou Clément de Sy par rapport à ce qu'ils nous avaient dit de leur propre revue. Voilà. Qui ose briser la glace, prendre la parole en premier, n'hésitez pas. Voilà, on a un de nos futurs panélistes qui veut intervenir, c'est très bien. Oui, je ne sais pas s'il fonctionne. J'ai une question pour Jean-François, mais qui indirectement va rebondir sur un débat qu'on a déjà commencé d'avoir tout à l'heure. Donc avec Corée, hein, la plateforme de publication, ce nouveau rôle de la commission, je pense qu'il y a déjà à peu près 200 articles publiés, mais ça ne fait pas depuis longtemps que c'est opérationnel. C'est un choix que je trouve vraiment intéressant et audacieux d'aller vers une plateforme, un autre type de publication que la revue. Mais je me demandais comment vous... Enfin, j'ai un peu la réponse, mais je pense que ça pourra faire avancer le débat de parler de ça. Tout à l'heure, avec Bruxelles Studies, on a vu cette espèce de réflexion paradoxale. J'ai envie de faire autrement, mais je dois m'inscrire dans l'économie du prestige dominante. Et donc, comment vous avez réfléchi ça à la Commission? Vous lancez une nouvelle plateforme, une nouvelle approche. Enfin, il y a d'autres plateformes qui existent, mais c'est quand même relativement innovant au jour d'aujourd'hui. Et donc, comment vous faites face à cet enjeu de l'économie du prestige dominant, de l'impact factor, du H-index, etc. Merci Marc. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on se la pose beaucoup. Sans faire tout l'historique non plus de comment est arrivée cette plateforme, c'est-à-dire, je pense que nos managers étaient du genre, très rapidement, il nous faut une plateforme. Et on était là, oui, mais attention, parce que ça va ouvrir plein de débats. C'est non, il faut quand même le faire. Alors, maintenant, effectivement, il y a tout un apprentissage à faire. Alors, bon, je n'ai pas trop détaillé ce que c'est, mais c'est une plateforme en libre accès, mais le peer review est aussi ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comité de rédaction qui vient sélectionner les articles en amont. Il y a évidemment un travail quand même de grossissage qui est fait au début par l'éditeur F1000 avec lequel on travaille. Mais dès que les minimums de critères sont passés, si vous voulez, c'est déjà le preprint qui ensuite commence à être en peer review. Alors, on se frotte effectivement à certains problèmes selon les matières, en fait, parce que quand on est dans les domaines plutôt de la santé, etc., et comme on l'a vu encore tout à l'heure, effectivement, il faut publier dans Nature ou dans des journaux de prestige. Et nous, on est là. C'est une plateforme. Il n'y aura pas de Journal Impact Factor. En revanche, il y a différentes indexations. Là, je pense aussi que j'entendais tout à l'heure le rôle important aussi des indexations. On va faire la demande à Scopus. En général, il faut attendre 2 ans. Mais bon, là, on est d'accord aussi avec l'éditeur pour faire au moins l'indexation à Scopus. Mais on doit éduquer tout le monde. Et en particulier aussi, on a un Scientific Advisory Board. Ils ne comprennent pas tous forcément non plus l'idée que, oui, le prestige, peut-être que les publications ne sont pas forcément intéressantes. Oui, mais d'un autre côté, on n'a pas de filtre non plus. Je veux dire, ça reflète aussi finalement le travail qui est fait par les chercheuses et les chercheurs financés par actuellement Horizon 2020
celles qui publient. Et voilà. Donc on a tout un travail d'éducation, d'où aussi la politique, qui nous permet d'avoir tous ces différents chapeaux, de travailler en même temps sur l'évaluation de la recherche et dire que ce n'est pas le Journal Impact Factor qui est important. H index, OK, etc. Tout ça, on va voir. Donc, on l'insère en fait là-dedans. Et aussi, Open Research Europe n'est pas du tout une obligation de l'utiliser. Celles et ceux qui veulent l'utiliser sont les bienvenus, mais il n'y a absolument aucune obligation. Mais bon, ceci dit, on a effectivement 200 articles pour l'instant, qui en a un an, c'est quand même pas mal. Je vais poser une question qui est la suite de cette conversation. C'est clair que il y a aussi la balance entre avoir les résultats directement, rapidement, et on l'a vu aussi avec Covid, par exemple, que le fait de prendre le circuit long empêchait d'avoir des informations. Et d'un autre côté, il est évident qu'il faut pouvoir évaluer et il faut éviter d'avoir des couacs comme il y en a eu, tout le monde a connu l'histoire du Lancet, notamment de ces publications qui s'avèrent être, dont les résultats s'avèrent ne pas être corrects ou ne pas avoir été évalués correctement. Et donc, c'est une balance à devoir trouver. Par contre, c'est vrai qu'on va peut-être qu'il n'y aura plus de revues, il n'y aura plus que des plateformes, peut-être que, mais on ne pourra pas échapper à un certain niveau d'évaluation. Ou alors, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'on sait que, par exemple, ce qui est en open access, certains articles en open access n'ont pas été reviewés. Il n'empêche, ça fait le tour du monde. Ça fait le tour de tous les réseaux. Et tout le monde s'empare des informations. Voilà. Enfin, si vous souhaitez rebondir là-dessus. Non. Voilà. Véronique, peut-être. Non, je suis d'accord. Enfin, je crois que l'évaluation, le peer review est quand même extrêmement important. Et c'est même pour la qualité de la recherche, parce que si des résultats faux sont publiés, je veux dire, ça a affecté. Donc c'est un vrai problème. Je me demandais aussi si un autre problème important, c'est le business model du Gold. Parce que vous avez mentionné que vous limitiez, enfin, que vous interdisiez l'hybride, hein, ce qui me paraît tout à fait limité. Je vais vous passer tout de suite. Et la question, c'est jusqu'à quelle limite vous allez pour les gold quand Nature va jusqu'à 10 000 euros. Ouais. On ne l'interdit pas, mais simplement, on dit que les coûts ne sont pas éligibles. Donc, on demande en fait qu'il y ait des... Donc, c'est trouver le financement d'une autre façon. Oui. Alors, des fois, il peut y avoir aussi, je ne sais pas, on va dire Springer Nature et votre université qui a un accord, etc. Donc, nous, on ne va pas payer. Voilà. Donc, on est parti du principe. C'était effectivement très fort, je veux dire... Quand il a été décidé pour Horizon Europe de ne pas de demander l'open access immédiat, donc plus d'embargo, et de dire que les publications en hybride seront possibles mais ne seront pas remboursées, c'était très fort. On était là, nous aussi, dans la petite équipe. Ça va être difficile parce que c'est quand même deux choses. Mais bon, après, ça a été, bon, on va proposer notre plateforme, etc. Mais... Parce que dans le modèle Gold, finalement, le revenu modèle d'un éditeur, c'est... Il est payé à l'article publié. Et donc, quelque part, il y a une incitation en incitant à publier un maximum d'articles. Ouais. Alors, il y a un coût, parce qu'évidemment, il y a un coût derrière. Et nous sommes très transparents sur le coût. Nous avons payé, ou nous payons 1 million et quelques à F1000 pour adapter, customiser, en fait, la plateforme existante, enfin, une plateforme qu'ils ont, un système qui fonctionne pour nous. Et plus faire aussi tout ce qui est la communication, le marketing et tout ce qui font aussi les relations avec les auteurs et le travail aussi de... Enfin, tout le travail d'un éditeur, en fait. Et nous payons un APC, si vous voulez, qui n'est pas vraiment un APC, mais on paye pour chaque publication, on paye 750 euros. Ouais. Quelle que soit la longueur. Donc, ça peut être très long. Je crois que c'est 20 000 mots, un truc dans le genre. Donc, on peut vraiment avoir des très longs articles. Et voilà. Et c'est aussi, ce ne sont pas forcément que des articles. Il y a aussi des monographies, mais aussi protocoles, etc. Donc, il y a différents types d'articles qui sont, enfin, d'articles de papier qui sont possibles. Ouais. Mais nous avons un coût. Ouais. Merci. Oui. Désolé, on vous tourne le dos. Oui. À venir rejoindre
Et on gardera les micros pour la salle. Vous aviez terminé votre réponse pour le moment ? Parfait. Voilà. Moi, j'ai peut-être encore une question aussi pour Jean-François Deschamps, mais peut-être d'autres personnes peuvent réagir là-dessus. Je pense qu'on a des étudiants dans la salle. Peut-être que pour eux, ce n'est pas tout à fait simple, ces discussions sur l'open access. Tiens, c'est quoi exactement ? On a bien compris que c'était une question d'accessibilité, donc de pouvoir lire des articles scientifiques gratuitement. Mais quelqu'un a soulevé, depuis le début de l'après-midi, le fait que, de temps en temps, tiens, les auteurs devaient payer. Donc, il y a des coûts cachés là-derrière. Ce n'est pas que je veux une définition très, très longue de l'open access, mais moi... Travaillant pour Brussels Studies, donc on est une revue avec un petit comité éditorial, mais qui a des travailleurs financés pour faire le job de recevoir des articles, les lire, donc évaluer si c'est des articles qui peuvent, oui ou non, être envoyés en évaluation scientifique, donc trouver des noms d'évaluateurs, donc et puis recevoir les résultats, les lire, les comparer par rapport à l'article, à notre propre lecture, prendre des décisions, recontacter les auteurs, bref, tout un processus éditorial qui est long, et donc que nous, au sein de Brussels Studies, avons la chance de faire avec un financement. Ce n'est pas le cas de toutes les revues. On a entendu à travers, par exemple, l'exemple de la revue médicale de Bruxelles, que eux, leurs moyens pour des frais de secrétariat ou enfin tout ce qu'une revue doit malgré tout assurer, même sans financement, ça provenait plutôt de souscriptions, hein, de membres. D'autres modèles existent aussi, et donc j'étais particulièrement interpellé par la fin de votre intervention, Jean-François, quand vous soulignez le fait que, selon vous, tout cet intérêt pour l'open access devait aussi se doubler peut-être de dimensions un peu éthiques là-derrière, chose auquel tout le monde n'était pas spécialement très sensible. Et donc voilà, je voudrais savoir un petit peu plus sur, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous imaginez faire pour soutenir un open access peut-être moins hypocrite pour les chercheurs et pour la recherche financée par les données publiques. Merci. Is het misschien mogelijk om in het Engels of het Nederlands verder te gaan? Dat gaat iets gemakkelijker zijn voor mij. Ja, ja. So, ja. Of in het Engels is ook goed, omdat mon français n'est pas... Ja, nee, dat is oké. Voor mij is het... Nee, het is niet moeilijk, maar in het Engels. Ja, Engels is fine for me. It's going to be easier. Of course. Thank you for... telling me that. Yeah. So my question, it was more like a general remark based on the fact that, yes, we speak a lot about open access mm-hmm. here, and it seems, yeah, quite nice to have papers accessible freely for the readers, but of course mm-hmm. it has costs, and sometimes mm-hmm. hidden costs for the readers that we as journals know where they lay. And so my question was related to what Jean-François Deschamps told at the end of his presentation about, well, the somehow, you know, ethics of open access and the fact that for some countries and have the means also to invest in open access policies, well, it exists, and so that there is support for this kind of publication patterns, whereas in other countries in Europe or, you know, in the world, well, things are more difficult. And then I was wondering which kind of initiatives of policies at the EU level in the department Jean-François is working in, what kind of initiatives they are thinking to develop to answer, to tackle this kind of, well, issues, this paradox of the open access and the cost that for now is not really, well, mentioned or really tackled anywhere. I'll try to be brief. I mean, there's no evil plan. First of all, I mean, the Commission, we are working continuously, you know, by listening to people and working with so-called stakeholders. So there's no plan yet. I start at my own little level with a couple of colleagues, which is also about doing a bit of inception in among our managers, etc., to talk about, you know, the criticism about post-colonialism. You know, open access as post-colonialism in some countries, in some regions of the world. There are some very interesting articles on that, that we're exporting a model which is not reproducible in less developed, wealthy countries. So we listen also to lots of other countries, in particular of the examples in South America,
Latin America and the Caribbean. So they have also lots of interesting ideas. I think that Open Research Europe is also fully about equities. It's also about the responsibility of a funder, not only to say, you have to do this, you have to do that, but also trying to propose some solutions, which is, you know, with a kind of a fair price for us and for the European taxpayer, and also trying to put what we do into a global picture, which is research assessment. So I'm sorry, if you have to pay 10,000 euros to publish in Nature, maybe this is your problem, but then it's my problem if you have to do that, because this is how you're going to be evaluated, or university, etc. And this is not fair. So I think that our activity is about talking about that. It takes time because lots of people have different ideas. So let's see. But I think it's about starting to talk about something. Thank you. Thank you. Merci. Bonjour, Benjamin Wayens, l'autre rédacteur adjoint de Brussels Studies. Je voulais un peu remettre la question sur le rôle finalement d'une revue scientifique, parce que pour le moment, là, on l'a beaucoup abordé du point de vue d'un outil pour les chercheurs publiés. Mais je crois qu'on vit quand même une époque un peu formidable, c'est qu'aujourd'hui, avec l'open access, j'ai envie de dire, alors certes, il reste les problèmes d'accès, du langage, que la collègue de la revue de médecine a bien montré, mais on peut, aujourd'hui, je veux dire, on peut cliquer sur un article dans le journal et accéder à la publication scientifique, et si on en a les capacités, aller vérifier quelque chose qui était tout bonnement impossible il y a 15 ans, je veux dire, on a une époque formidable. Ça a aussi un puissant outil de relégitimation, je dirais, de tout ce qui est investissement. Dans la recherche, de rendre les choses visibles. Regardez, ça produit des choses, et je crois que la crise du Covid a bien montré l'intérêt de tout ça. Par ailleurs, quand on voit qu'on pousse évidemment tout l'axe sur la science citoyenne, les participants, je prendrai par exemple la dernière collecte à Bruxelles sur la qualité de l'air, Curieux-Zener, ils s'attendent à ce que les résultats soient analysés et publiés quelque part où ils peuvent y accéder, et dans une certaine mesure le comprendre, on peut espérer. Mais on voit aussi que, par exemple, il y a cette deuxième question, donc aussi à partir du moment où on fait plus de participation dans la recherche, on va avoir une obligation d'un meilleur retour vers le public qui aujourd'hui est aussi en partie des acteurs de la recherche, par exemple par les sciences citoyennes. Et alors, troisième point, ça efface aussi un petit peu la limite d'une approche un petit peu plus classique qui était on fait de la recherche, puis on la publie. Et puis, si notre université a une petite cellule pour avoir un peu de sous à ça, il y a quelqu'un qui va faire la vulgarisation. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus à une approche beaucoup plus intégrée où, j'ai envie de dire, on peut plus se permettre de toutes ces étapes, tout comme d'ailleurs dans la recherche industrielle, on s'est rendu compte que la séparation des différentes étapes, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation, posait des problèmes. Et donc, je crois que c'est intéressant parce que tout ça remet aussi la revue devant un poids d'obligation de mission à régler. Je dis, vraiment, on a un confort relativement incroyable à Brussels Studies du fait du soutien de l'autorité régionale qui missionne pour toutes ces étapes-là et qui donne les moyens de faire toutes ces étapes-là. Mais je me pose vraiment la question de quelles sont les revues qui sont vraiment en mesure de faire ça aujourd'hui dans le paysage européen. Il y a eu un gros coup de main qui a été l'allègement, je dirais, des coûts d'édition sensu stricto via les grosses plateformes, avec des gros investissements. Je veux dire, pour le dire très platement, la Belgique vit au crochet du FNRS pour ces aspects-là, pour le moment, du CNRS, pardon, via... Oui, mais soyons très clairs, pour le monde de l'édition, pour le monde de l'archivage, on est très dépendant des grosses infrastructures CNRS de publication. On a eu des spin-offs locales qui ont été amenés, mais on voilà. Et donc, je dirais que on sent bien que l'aspect plateforme est saisi. Donc, je dirais le hardware, on commence à s'en préoccuper. Mais le software, ces équipes éditoriales, ces gens qui vont aider les chercheurs à faire un article scientifique qui soit aussi avec un bon résumé et donc lisable par un journaliste, par le grand public, bien illustré, traduit, parce que la question du langage est assez fondamentale. Je pense que là, on a une vraie, un vrai problème, parce que, par exemple, d'un autre côté, les sociétés savantes sont occupées de s'effondrer par un manque d'investissement bénévole. Et donc, voilà. Est-ce qu'on a des choses à faire à côté
des plateformes. Alors, de nouveau, si des revues survivent, certaines d'entre elles en communauté française, c'est aussi grâce à du fonds Wernartz géré par le FNRS, on en est bien conscient. Mais je veux dire, on est là finalement des nouvelles missions et des nouveaux modes de financement. Et donc, je dirais que derrière les plateformes, il va falloir accompagner les équipes. Et donc, quelles sont un peu les visions de ce point de vue-là? And it's going to be in Dutch for once, so that's okay. Yeah. But English is also fine. Yeah. Zij doet Engels. Dus ik denk de vraag hier die Benjamin aankaart is dat dus open access en de platform en de platforms die er zijn, dat eigenlijk bijna een verworven goed is, dat men daarmee bezig is, etcetera. Maar eigenlijk de softzijde daarvan die nodig is onder de vorm van personeel dat je nodig daarvoor hebt, wat vroeger een beetje opgevangen werd door genootschappen, zoals geografisch genootschap, et cetera, wat allemaal minder mogelijkheden krijgt, ook minder vrijwilligerswerk op kan rekenen, wat daar een beetje de politiek en de houding is, of dat daar ook aan gewerkt wordt, of dat daar plannen voor zijn. Je ne vais pas répondre entièrement à la question, mais je pense que le modèle financier se pose aussi. C'est pas que pour les plateformes. Dans l'édition classique, plein de gens travaillent bénévolement. Je veux dire que les reviews sont faites bénévolement. Il y a un tas. Et donc, pour moi, le modèle financier reste une question ouverte, quel que soit le type de diffusion. Je trouve qu'il n'est absolument pas optimisé dans aucun des cas actuellement. Et je n'ai pas de la solution, hein, mais je trouve la question d'être posée et c'est vraiment très, très compliqué. Et d'autre part aussi, deuxième point, c'est que pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une diversité de types de journaux, de publications, et qu'il ne faut pas aller que dans un sens ou dans l'autre. Je crois, et notamment au FNRS, un portfolio de publications peut être présenté par un chercheur et commenté, et on ne veut pas que tout le monde ait d'office que les top publications dans les journaux, ou à l'inverse, le balancier va parfois trop dans un sens et puis il revient dans l'autre, ou que des plateformes, ou que... Je crois que tout est possible à partir du moment où on explique simplement dans son dossier, ben voilà, moi j'ai choisi de faire ça ou ça, et d'avoir à la fois une publication locale, avec un impact local, peut aussi faire l'objet d'une publication sur la méthodologie dans une revue internationale. Et je pense qu'il y a aussi une nuance à apporter entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Alors, je sais qu'on parle de continuum, qu'il n'y a pas de distinction, que ce sont les mêmes acteurs, on peut en parler longuement, mais je pense que la vraie distinction, c'est dans la manière, les critères d'évaluation. D'abord, c'est qui les finance, hein, ce n'est pas les mêmes acteurs qui les financent, et comment est-ce qu'on évalue les projets de recherche. Ce sont des critères différents, et chacun est respectable, et chacun a sa place, et chacun... Donc voilà, je suis pour une diversité d'approches. Mais ça ne répond pas complètement à la question, sauf qu'actuellement, tout le monde fait ça un peu bénévolement à différents niveaux, dans tous les modèles. Peut-être justement, si je me permets de rebondir très brièvement, en effet, c'est le travail bénévole est inhérent, je pense, aux revues, parce que c'est vrai que nous, on a des financements pour le travail au jour le jour sur les textes. Maintenant, tous nos évaluateurs sont bénévoles, de facto. Alors, ils sont bénévoles, ils travaillent généralement dans des universités, et donc ils font ça en plus de leur mission, et ça fait bien sûr partie de nos missions comme scientifiques, mais c'est vrai que du coup on peut imaginer l'intérêt qu'il y aurait peut-être à vraiment valoriser mieux ce rôle d'évaluation. Certains évaluateurs maintenant, moi, me renvoient le fait que, ben tiens, en fait, on préférerait le faire pas anonymement, justement, que ce rôle d'évaluateur soit reconnu dans les évaluations de CV. Oui. Et donc, ça lève la question du double blind peer review ou pas. Oui. Et donc, que faire? Parce que ce bénévolat, oui, j'entends bien, mais en fait, en vrai, ça fait partie des missions du scientifique. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait mieux valoriser en plus des publications, enfin, quoi, comme rôle? J'ai peut-être juste deux points, puis je donnerai la parole à mes collègues. Mais il y a deux aspects. D'une part, nous, par exemple, au FNRS, les commissions scientifiques, on rémunère les membres. C'est un choix. En France, les chercheurs français ne sont pas rémunérés à l'ANR. Les étrangers, oui. Nous, on rémunère au même niveau parce qu'on a estimé que c'était un travail important qu'on demandait et qu'à la limite, la rémunération qu'on donne
est significative, mais reste symbolique par rapport à la quantité de travail. Mais au moins, c'est une reconnaissance. Donc voilà, c'était un choix qu'on a fait. Il y a l'autre question, comment est-ce qu'on valorise effectivement, mais je sais qu'il y a des discussions, sans doute à l'Europe, peut-être qu'on va nous en parler, sur l'évaluation des chercheurs. Je crois qu'il y a eu aussi des groupes de travail à l'EUA pour définir une sorte de matrice. Et Gand, d'ailleurs, est assez à l'avance aussi pour les promotions. On va en parler, oui. Mais quand on arrive avec quelque chose de multicritère, avec 50 indicateurs, comment est-ce qu'on gère ça? C'est pas facile. Oui, on dit qu'il faut le valoriser. Et en même temps, il y a d'autres choses qui paraissent plus importantes et qui prennent le pas. C'est pas facile de répondre à ça. Et alors, je trouve que c'est quand même un problème de publier le nom des gens qui ont évalué. Pourquoi ? La parole est peut-être moins libre parce qu'il y a quand même des communautés. C'est plus compliqué de ce point de vue-là, juste pour la liberté de parole de l'évaluateur. Bon, l'avoir anonyme, oui, c'est un autre problème. C'est effectivement discutable. Ouais. Discutable. Parce que pour moi, par exemple, le fait qu'on puisse mettre en avant d'avoir fait des peer reviews, etc., c'est quand même important aussi. Et donc, c'est du temps qui est pris. Oui. Mais on peut le mettre en avant, on peut le mettre dans le CV qu'on est reviewer pour telle et telle et telle revue. Simplement, il y a une confiance dans le fait que la personne le déclare. Enfin, je pense que le système de la recherche fonctionne aussi sur la confiance. The discussion here is about the role that reviewers are playing in the journals, because financing journals is something, but you know, there's a lot of benevolent work, especially of course the referees that read those papers, and so maybe one of the things to think about would be how to better valorize this hidden work somehow from scholars who are reading a lot of papers in this for this evaluation process. Now we'll talk a lot about the recognition of publication, the quality of publication, but you know, to allow and to make possible to have good papers in the end, we need this hidden work. And then Veronique was saying, yes, of course, it's something that researcher can put, scholars can put integrate in their CV, but in the end there are other criteria that also have to be taken into account, so it's not now the most important element. So maybe if you can react also a bit about how at FWO we also try to take into account this work that is actually fundamental to have quality scientific research in the end. Yeah, I think you're completely right. The whole system stands or falls with the motivation of the reviewers to do this and to do all this work. And indeed, as my colleague says, also on our application forms in the section of the CV, the researcher can distinguish him or herself also on this aspect. Well, of course, yeah. In compared to the other criteria, it might not weigh that heavy, indeed. So that is very true. But I think this is also part of the second axis. And when I was mentioning this non-exhaustive list of other activities, if someone has been very active as a reviewer, I think they should dare to mention this and to also give a list of all the work that they did. If it's only one review or they have done 50 reviews in a year, this is something that you can mention, and then it will be taken into account. If you say I've done all these reviews for all these journals, then it is also a quantitative indicator of their research career and yes, what they have contributed. Yeah, that's right. Thank you. Est-ce que je vois Clément et Christian? On va commencer par Clément, il est plus près. Juste peut-être un petit élément, comme on parlait des plateformes et du peer review. Et on a parlé de ce côté un peu software de la revue. Il y a aussi un aspect qui m'est venu et qui est peut-être plus spécifique à Textile par rapport aux deux autres revues, sans exclure, mais vous me direz si jamais, puisqu'on parle, c'est sans doute un peu schématique, mais de répartition entre revues thématiques et revues disciplinaires, c'est qu'il y a des revues qui ont aussi des lignes éditoriales. Et que comment est-ce qu'une plateforme qui publie finalement un article dont la légitimité est basée sur un peer review seul, qui l'autonomise, il n'y a plus de numéros, il n'y a plus de special issues ou de
cohérente. Comment est-ce que cette idée-là peut se transmettre? Et finalement, j'avais envie de dire que la manière de raccrocher le local pour textile, c'était justement la ligne éditoriale. Donc, comment garde-t-on le local? And if I can translate briefly, better in English than in Dutch, I'm sorry. But just to say that journals also have editorial lines, and in comparison with the other journals that were invited to the table, textile is the theme of textile is Belgian literature in French, and so it's our way to stay committed in local aspects for the discussion. And so for platforms, what's how does that take of the editorial line itself can still be valorized somehow in front of the peer reviewing process only for the I think I summarized great in the other way around. Thank you for doing that. Merci, Clément. May I answer? Yes, quickly and then rapidly. Yes, I mean, because for instance, for a platform like Open Research Europe, we have created so-called gateways or collections as well, so thematic collections. It's true that you don't have the full editorial service of person who are selecting for you some, you know, some articles, because we accept everything after it has passed, you know, the minimum of checking in. But yeah, so we create yes, those clusters and getaways, or even you can also, you know, select specific you know, what is the Marie Scott Mercury Actions or the European Innovation Council. So you can also create also some your own interest like that with your preferences. This one, yes, the last one that I mentioned, but the gateways and the collections, they are now standard. So we have some on, yeah, I'm just like looking, you know, at my phone at the moment. Okay, it's a bit slow, so sorry. But yeah, we have on artificial intelligence and social sciences and humanities, bacteria, infectious disease in, I mean, some, you know, cancer, coronavirus, virus, etc. So we have also, we are starting to create those kind of things. Oui, juste un petit élément d'information pour la reconnaissance des référis. Bon, à Belgeo, on a choisi une situation, enfin, une formule un petit peu hybride, c'est-à-dire que chaque année, on publie sur la couverture de la revue le nom de l'ensemble des référis qui ont agi l'année précédente. Donc, ils ne sont pas identifiés quant à l'article qu'ils ont référé, mais en même temps, il y a une reconnaissance, entre guillemets, de leur travail. Je pense... Ah, celui-ci a l'air, oui. Donc, moi, je suis un microbiologiste, j'étais chercheur. Je suis pensionné maintenant, j'ai fait de la recherche dans l'industrie et dans l'université. Alors, j'ai une question générale. Quand un chercheur écrit une proposition de recherche qui est très interdisciplinaire, très originale, très en dehors des clous, je dirais. Comment est-ce qu'il n'y a pas un risque que les pairs rejettent, soit parce que l'un se dit « Oh mon Dieu, fantastique, garde ça pour moi », ou bien alors ils disent « Moi, je comprends rien ». Moi, j'ai eu le cas personnellement. Hein. J'ai dû réillustrer ma proposition par des images pour leur faire comprendre. Ils étaient 15. Donc voilà, that's the problem. Hein. All set eats. But de spoor niet zijn helemaal te origineel is het geen gevaar dat de peer, dus de andere forsers bijvoorbeeld, dat onderzoek bekijken als allee, niet te betrouwen of dat kan ik nu accepteren of zo. En dan zeggen ze ja, of misschien is dat een idee dat ik zelf zou willen bewaren voor mezelf. Ja, dat is een goed idee voor later. Ja, ik zeg er niks daarover en boef, dat is mijn vraag. In het algemeen dus. Te specifiek, te interdisciplinair. Of, ja. Te origineel, but disruptive. You win, that is at work. Dat is wat ik bedoel. Is het gevaar niet? Est-ce que c'est pas éventuellement le danger, dans certains cas, pour certaines personnes? Mais là, vous parlez d'évaluation de projets de recherche, pas de publication, pour des demandes de financement. Mais il y a de... Non. Oui. Non, mais c'est tout le problème de l'évaluation par le pair et des limites à certains moments. Et ce sont deux choses, la limite séparée, qui sont d'une part
le degré de risque, l'originalité, et d'autre part, l'interdisciplinarité. Et je pense que, idéalement, ce qu'il faut, c'est avoir, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre, et d'autres, c'est d'avoir des instruments de financement spécifiques pour ce type de projet. Parce que le problème, c'est quand on compare un projet dans une commission, un projet interdisciplinaire avec un projet très disciplinaire, c'est compliqué. Tandis que, donc, on est en train, c'est dans notre plan stratégique. Oui, mais et bien pour, donc dans notre plan stratégique de refinancement, on a deux instruments qu'on voudrait mettre en place, c'est des projets plus risqués, plus particulièrement, où parfois donc des commissions vont dire il est tellement risqué, revenez l'année prochaine avec des résultats préliminaires, plutôt que d'engager tout de suite pour 4 ans. Et ça, c'est dommage, d'une part, et d'autre part, pour des projets interdisciplinaires. Mais ça reste compliqué d'évaluer des projets interdisciplinaires, même au sein d'un instrument de financement interdisciplinaire, parce que Le problème, c'est de souvent, alors on a des experts disciplinaires de différentes disciplines qu'on met autour de la table, et des vrais experts interdisciplinaires, c'est plus compliqué à trouver. Donc on travaille un peu là-dessus, mais je reconnais que c'est compliqué. Ceci étant, on a quand même des projets qui sont financés, qui sont très interdisciplinaires et qui sont aussi très originaux et très risqués. Mais ça reste, l'organisation des évaluations est complexe. C'est complexe, oui. Oui. You want to add something? Yeah. So if I understood the question right, it's if you have a proposal that is a publication that is too interdisciplinary and you send it to the reviewers, that it's out of their expertise. A proposal or a publication? Or a publication. It can also be a research proposal. Yeah. Publications, just evaluation by peer of interdisciplinary. Yeah, and if it's out of their expertise that they find it too risky and that they don't have the knowledge to properly evaluate it, that's what you mean. That's the point. Yeah. Risky. Yeah, and I think it's indeed also for applications for funding that we see this in. We have disciplinary panels. We also have an interdisciplinary panel, but it depends on your panel members as well, and. With very high risk proposals, you see it that it's difficult for them to get a very high score, and also if sometimes you have a proposal on a very niche topic, and you have to put it in one disciplinary panel in which you have reviewers that might not be specialized in that topic, and then it's also sometimes a bit difficult indeed if you have very niche topics that don't fit in any panel, then. For instance, yes. Mais par exemple, au Global Science Forum de l'OCDE, il y a eu un groupe de travail qui a travaillé pendant plus d'un an sur cette thématique des high risk, high gain projects et de comparer les pratiques dans les différents pays de l'OCDE, parce que c'est toujours aussi inspirant de faire un peu de benchmark, d'essayer de s'inspirer des meilleures pratiques qu'on peut détecter. Et de mémoire, c'était vraiment ce qui ressortait, c'est qu'il fallait vraiment un instrument de financement spécifique pour ces projets high risk, high gains. Oui, enfin, je pense que le monde de la recherche va continuer à trouver beaucoup d'idées. Hein. Je suis confiante. espérons-le pour notre avenir à tous. Voilà. Je me permets d'interrompre la discussion. En tout cas, enfin, j'avais laissé la possibilité éventuellement de revenir sur un aspect. Je pense que tout a été beaucoup couvert. Voilà, on a sans doute déjà abordé une partie. Les slides seront de toute façon disponibles à toutes et à tous bientôt. J'aimerais remercier chaleureusement, hartlich dank, à nos trois panélistes. Je vais vraiment me perdre dans la traduction là. Et je vous invite à monter d'un étage. Vous allez voir, vous sortez de la salle. Directement à droite, il y a un escalier. Suivez le flux, il y a du café et quelques rafraîchissements à la mezzanine juste en haut, et je vous propose de reprendre dans une vingtaine de minutes pour la dernière partie de cette rencontre. Merci encore à nos panélistes et à tout de suite.